8 mars 1917, février dans le calendrier russe. Les rues de Pétrograd sont noires de protestataires. Les ouvriers des usines de munitions sont en guerre. La foule pille les boulangeries, incendie les postes de police. Les soldats de la garnison de Pétrograd, qui ont d'abord tiré sur le peuple, lèvent la crosse en l'air et exigent l'abdication du tsar et de son épouse, l'Allemande. C'est la révolution. Une révolution spontanée. La révolution. Les idéalistes, les démocrates, les socialistes, les anarchistes russes en ont rêvé pendant plusieurs décades. C'est la révolution. Et elle n'a pas de chef. Les soldats montent la garde dans les couloirs de la Douma. Les députés, à la hâte, désignent les membres d'un gouvernement provisoire. Leur chef nominal est un noble, le prince Lvov. Ses ministres sont des modérés. Le membre le plus actif de ce gouvernement provisoire est un avocat libéral très ambitieux, Kerensky. À Moscou, comme à Pétrograd, les troupes font allégeance au nouveau gouvernement. Au front, inexplicablement calme depuis plusieurs mois, on arrose copieusement à la vodka la révolution, des régiments entiers désertent. Pour éviter l'assassinat du tsar ou son éventuelle évasion, il est mis sous bonne garde avec sa famille. Le 15 mars, il abdique en faveur de son frère, Mikhaïl. À la demande pressante de Kerensky, Mikhaïl aussi abdique. La dynastie des Romanov s'est écroulée en quelques heures. Pour les prisonniers politiques du régime tsariste, révolution signifie liberté. Dans un mouvement de générosité incontrôlée, Kerensky donne toute liberté à l'extrême gauche de reparaître au grand jour. Les bolcheviks ressortent. Ils sont dans la rue avec les mencheviks. Voici Plekhanov, le fondateur du marxisme en Russie. Et Zinoviev, qui rentre de 9 ans d'exil en Suisse. Autre exilé, Radek, vétéran de la révolution manquée de 1905. Kamenev rentre de Sibérie, un bolchevique. Scriabin, 27 ans, se fait appeler Molotov. Il édite la Pravda, une feuille bolchevique. Iosef Vissarionovitch Zougachvili a 38 ans. Il se fait appeler Staline, l'homme d'acier en russe, et revient aussi des camps sibériens. Lev Bronstein, connu sous le nom de Trotsky, était exilé dans le Bronx à New York. Le plus connu des agitateurs soviétiques bat la semelle dans les rues de Zurich. Vladimir Ilyitch Ulyanov se prépare à rentrer dans son pays. Dieu seul sait comment. Pour Lénine, Dieu est allemand. Il a reçu de Berlin de l'argent, des papiers, des promesses. Alexandre Alphon, maître espion allemand, finance en Russie la propagande de Lénine. Fritz Platen, un socialiste suisse, arrange avec les Allemands le transport de Lénine à travers l'Allemagne dans le fameux wagon plombé. Lénine et ses compagnons signent une décharge. Ils sont volontaires pour l'opération. En avril 1917, Lénine est en Russie. Le gouvernement allemand bout d'impatience. Le président Wilson vient de lui déclarer la guerre. Les Russes doivent faire la paix, tout de suite. Lénine descend du train à la gare de Finlande le 16 avril 1917.
Aussitôt, il parle à la foule de Petrograd. Il dénonce la guerre des pirates, la guerre des impérialistes. Il attaque le nouveau gouvernement russe. Un télégramme informe Berlin que Lénine travaille dans le sens prévu. Pour les missions alliées à Pétersbourg, la révolution est une énigme. Où ira-t-elle ? Les alliés sont soulagés, certes, d'être débarrassés de la corruption des tsars, mais ils veulent maintenir dans la guerre le nouveau régime. Les États-Unis offrent 300 millions de dollars de crédit. Eliu Root, ancien secrétaire d'État engagé par Wilson, pèse de tout son poids sur Kerensky. Pas de guerre, pas de crédit. Kerensky s'est fait nommer ministre de la guerre. Il veut à tout prix éviter la défaite. Il se précipite sur le front autrichien, le plus facile à percer. De nouveau, le général Broussilov prépare une offensive. De nouveau, il perce les lignes autrichiennes et réalise une avance sérieuse. De nouveau, les canons allemands tonnent et brisent l'assaut. Cette fois, c'en est fini de l'armée russe. Les Allemands ne se soucient plus de faire des prisonniers. Ils les laissent courir. Les bolcheviks de Petrograd accueillent avec joie la nouvelle du désastre. Ils contrôlent les soviets d'ouvriers et de soldats. Ils les mobilisent. Les compagnons de Lénine sont en train de construire leur pouvoir. Le 17 juillet 1917, ils se manifestent. Leur slogan ? À bas le gouvernement Kerensky, tout le pouvoir aux soviets. Les soldats tirent. Ni Lénine ni les bolcheviks ne sont touchés. Ils n'étaient pas dans les rangs du peuple. Le gouvernement Kerensky s'écroule. Le gouvernement des bolcheviks est dispersé. Lénine s'enfuit en Finlande. Trotsky est arrêté. Kerensky a retourné la situation. Il devient premier ministre. Mais son gouvernement est de nouveau menacé, par la droite cette fois. En septembre, son principal général, Kornilov, tourne kazakh et veut prendre Petrograd. Kerensky appelle la gauche au secours et lui fournit des armes. Les soldats de Kornilov l'abandonnent. Le coup est manqué. Mais les bolcheviks sont désormais en armes. Ils disposent d'une force militaire, les gardes rouges. Au cours des semaines, leurs leaders sont libérés. Lénine rentre triomphalement de Finlande. De nouveau la menace. Kerensky tente de rassembler ses forces défaillantes pour défendre son gouvernement. Il défendait ainsi la première et dernière tentative de gouvernement démocratique qui ait jamais vu le jour en Russie. Petrograd attendait en fait une deuxième révolution. Le 7 novembre 1917, la révolution est au rendez-vous. Presque trop facile. La ville a perdu tout désir de résistance. Les équipes entraînées de bolcheviks s'emparent des points clés. Le télégraphe, la poste, les banques, les gares. Ils ne rencontrent de résistance qu'au palais d'hiver. Les gardes rouges s'emparent rapidement des ministres. Seul Kerensky parvient à s'échapper. Le jour suivant, la ville est aux mains des bolcheviks. Et Lénine prend la parole. « Nous allons maintenant construire le socialisme, » dit-il. Au premier acte de la révolution communiste, Lénine affirme « La Russie va maintenant faire la paix immédiate. » Et il dénonce tous les traités conclus avec les alliés. Trotsky, son âme damnée, obtient l'accord empressé des Allemands, qui lui donne rendez-vous à Brest-Litovsk.
Trotsky est surpris, horrifié par les exigences de Berlin. La Russie doit céder un quart de son territoire d'avant la guerre, un tiers de sa population, la moitié de ses industries et la plupart de ses défenses. Les Russes cherchent à gagner du temps. Ils ne signent pas tout de suite, mais les armées allemandes s'ébranlent vers Petrograd. Ils signent alors. Au moment où Wilson entre dans la guerre, la Russie s'en retire. Sans les Russes, les Alliés ne pouvaient tenir contre une armée allemande renforcée de ses divisions de l'Est. Wilson devait sauver leur guerre. La première dynastie européenne venait de disparaître, celle des Romanov. Le tsar était captif de la Révolution des Rouges, qui risquait de gagner toutes les Russies. Il serait bientôt assassiné avec toute sa famille. La révolution russe pose un problème à toute l'Europe. L'Angleterre et la France vont-elles échapper à la révolution? Est-ce qu'elles peuvent se maintenir dans la guerre? Les Alliés sont-ils assez solides pour tenir, en attendant le secours des Américains? 400 000 Tommies sont déjà morts à la guerre au 1er janvier 1917. Il faut trouver chaque semaine 5 000 recrues pour combler les vides. La guerre devient terriblement impopulaire. Les masses sont au bord de la révolte. Pas d'orchestre à Paris ou à Londres pour le retour des blessés du front. Les arrières tiendront-ils? Les Anglais, heureusement, n'étaient pas seuls. Ils avaient le secours des Dominions. Les Canadiens, les Indiens, les Sud-Africains, les Néo-Zélandais et les Australiens ont fait plus que leur devoir pour aider l'Angleterre. Même les dissidents irlandais ont répondu à l'appel aux armes. 200 000 se sont enrôlés. Les secours venus de Dublin sont chaleureux mais trompeurs. Des signes de rébellion se manifestent en Irlande. « Nous ne servons ni le roi, ni le Kaiser », disent les volontaires irlandais, « mais l'Irlande. Ils servent à la fois aux côtés des Anglais, en France, et aussi, malheureusement, contre les Anglais, sur le front intérieur. » Les garnisons britanniques en Irlande se croyaient tranquilles quand se préparait l'offensive de la Somme. Les Anglais croyaient tenir sous leur contrôle le mouvement nationaliste irlandais. Beaucoup de nationalistes furent eux-mêmes surpris par la rébellion de Dublin, le dernier lundi de l'année 1916. Roger Casement, le chef nationaliste irlandais, n'est pas pour les Anglais très clair, parce qu'il le soupçonne de flirter avec les Allemands. Les autres chefs rebelles proclament la République libre d'Irlande. Les Anglais attaquent les bâtiments où se sont entranchés les rebelles, considérant le soulèvement comme un coup de poignard dans le dos. Ils estiment que les Irlandais doivent se satisfaire de leur statut d'autonomie jusqu'à la fin de la guerre avec l'Allemagne. Mais les rebelles en appellent à un sacrifice du sang pour que l'Irlande puisse renaître. 450 des leurs sont tués pour 100 Anglais seulement. Dans les ruines des incendies allumés par les obus, les chefs rebelles résistent pendant 6 jours.
ils doivent finalement accepter la reddition sans condition, submergés par le nombre. Les patriotes irlandais sont durement frappés. 15 d'entre eux sont exécutés. Un seul leader parvient à s'échapper, Eamon de Valera, d'origine américaine. 2000 sont exilés en Grande-Bretagne. Pour tenter d'atténuer le choc, Lloyd George est désigné comme médiateur dans les négociations qui s'ouvrent avec les Irlandais. Il gagne du temps, il promet l'amnistie. Lloyd George est un ambitieux qui ne fait pas de cadeaux. Quelques mois plus tard, il aura la peau de Herbert Asquith et prendra son poste de Premier ministre. Le bouillant Lloyd George a réussi à amadouer les Irlandais. Pourra-t-il écarter le spectre de la révolution dans l'Angleterre ruinée par la guerre? L'année 1917 est la plus dure. Londres est sinistre. Les visages des passants sont fermés. Le pays peut seulement nourrir sa population de la nuit du vendredi jusqu'au lundi matin. Pour les autres jours de la semaine, il faut importer des vivres. Les lignes du ravitaillement sont attaquées sans relâche par les sous-marins. Pour utiliser les stocks défaillants de vivres, pour être certain que les enfants au moins pourront se nourrir, le gouvernement sert des repas préparés dans les cuisines nationales. Il impose le rationnement pour toutes les denrées. Seul le sucre est maintenu en vente libre jusqu'en 1918 pour ne pas désespérer les pauvres. Faire la queue devient une routine. Les pommes de terre sont si rares que les riches en offrent plutôt que des fleurs aux maîtresses de maison. On manque de lait. Le lait est interdit aux adultes. Mais il n'y en a pas encore assez pour les enfants. Pas d'essence. Le gaz de charbon est mesuré. Une génération entière de citoyens britanniques est balayée par les pertes de la guerre. En 1917, seuls les vieux, les femmes et les enfants tiennent le front de l'intérieur. Les collégiens préparent leur départ à la guerre. Des classes entières de conscrits sont balayées. Les enfants, en attendant leur incorporation, sont soumis à toutes les corvées. Ils travaillent dans les fermes. À la ville, ils font des collectes. Il n'y a pas de jeunes assez jeunes pour ne pas servir le roi et le pays. La dernière illusion tombe. Pas de sécurité sur le front intérieur. Les zeppelins, les aéroplanes tiennent le ciel. Au début, les gens sortent dans les rues pour les voir. Bientôt, ils se cachent à leur approche. En 1917, 3000 civils sont tués ou blessés par les bombes tombées du ciel. «
George, le nouveau Premier ministre, garde pour lui son découragement. Il paraît en public dynamique et résolu. S'il exige des sacrifices du front de l'intérieur, il veut diminuer les pertes en France. Il prétend enlever la conduite de la guerre à ses généraux. Il n'a pas confiance en eux. Il est très attentif aux décisions du chef du corps expéditionnaire britannique, qui lui paraît incompétent, Sir Douglas Haig. Mais il doit le ménager, c'est le favori de George V. Lloyd George le trouve maladroit, insensible aux pertes, même si elles sont énormes. Il lui préfère le français Nivelle, auquel Haig est subordonné. Nivelle a présenté un plan pour la victoire rapide et sûre. Il a remplacé Joffre comme généralissime. Nivelle propose une double offensive au nord pour les Britanniques, au sud pour les Français. Les Anglais doivent attaquer sur Arras le 9 avril 1917. La rupture du front, c'est la vieille balançoire des généraux. À l'extrémité de la ligne anglaise, les hauteurs de Vimy. Une avancée du front, déjà des milliers de victimes. Les Canadiens sont chargés de s'en emparer et de s'y enterrer. C'est un enfer. De très lourdes pertes. Mais Nivelle qui a promis la victoire en 48 heures. Il ne se soucie ni de la surprise, ni de la météo. Sans importance, dit-il, pour une armée décidée à vaincre. Le polytechnicien Nivelle a fait ses calculs. Le coup ne peut pas manquer. C'est du moins ce qu'il dit. Après une violente préparation d'artillerie dont on attend monts et merveilles, 40 divisions françaises s'élancent et tombent dans le vide. L'ennemi a restreint ses lignes, caché ses défenses. Les Français se font massacrer au chemin des dames. 200 000 morts en quelques jours. Les soldats français, après ce drame, vont se mutiner. Ils veulent désormais faire la grève de la guerre. Trop de blessés, trop de gueules cassées, trop de gazés. Sur toute la ligne, les régiments se mutinent. Est-ce la révolution dans les tranchées? Jamais plus les généraux français n'oseront demander une offensive baïonnette au canon. Les poilus ne sont pas des bolcheviks, ils en ont seulement marre de la guerre. 55 divisions sont affectées par les mutineries. Aucun leader révolutionnaire au front. Le mouvement est spontané. Les politiques pensent que ce mouvement peut être dominé. C'est Pétain qui prend les choses en main. 554 condamnés à mort, mais seulement 45 exécutés. Pétain revoit le régime des permissions et la rotation des unités en première ligne.
les officiers sont désormais conscients qu'ils ne peuvent ordonner que des actions limitées et bien préparées. Ils doivent reprendre en main la troupe, lui rendre sa confiance dans le commandement. Les officiers anglais doivent aussi faire face à des révoltes. Les Allemands eux-mêmes changent les unités du front. Ils se défient des recrues qui viennent de l'intérieur. Partout, on craint la révolution. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crown, sur le plateau, on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. En Angleterre, la propagande guerrière fait beaucoup de bruit, mais les gens en ont assez. Les prix ont doublé, les sous-marins sont plus actifs que jamais. Les ouvriers sont pris par le recrutement pour remplir les vides des unités. Les manifestations organisées pour soutenir l'effort de guerre ont pour slogan « Gagner la guerre ». Mais qui les écoute encore dans le désarroi des esprits? Ailleurs, on crie « Finissez la guerre ». Les mouvements de protestation explosent un peu partout. Les mineurs votent la grève sur tous les bassins d'Angleterre. Les ouvriers des usines de munitions les suivent. Détesté par la clique militaire, suspect aux yeux des politiques et peu apprécié par le roi, Lloyd George passe pour un dictateur, mais il réussit à rassembler la nation pour le dernier effort, à briser les grèves révolutionnaires. Il engage un conservateur, Churchill, connu pour son énergie. Il était en disgrâce depuis la malheureuse affaire des Dardanelles. Eh bien, il reprend Churchill. Lloyd George l'installe au ministère des munitions. Le lion est en place. Il n'arrêtera pas de rugir. Le roi lui-même est attaqué. Sa cour est pleine d'étrangers, dit-on. Elle manque d'esprit combatif. Le roi réplique qu'il soit damné s'il est étranger. Il change le nom de la maison royale qui était d'origine allemande. Il l'appelle désormais maison de Windsor. Ainsi, pense-t-il, personne ne pourra plus critiquer la famille royale. Il annonce un changement décisif dans la guerre navale. Le pays attend une politique nouvelle sur mer pour lutter contre les sous-marins. Une mission vient d'arriver des États-Unis, conduite par l'amiral William Sims. Sims est indigné par l'importance des pertes des alliés sur mer. Il réussit à convaincre l'amirauté que la réponse à la menace sous-marine, c'est l'organisation des convois. La Grande-Bretagne n'a plus que 6 semaines de vivre. Elle décide d'appliquer le plan Sims. En peu de temps, les pertes sont réduites de moitié. Washington est maintenant convaincu qu'on peut envoyer en France une grande armée. Mais celle-ci n'existe pas encore. En attendant les Américains, Haig veut courir la chance de sa vie. On l'autorise à lancer une offensive seulement britannique sur son front. C'est la troisième offensive des Flandres. Un risque politique énorme après la période des mutineries. Haig attaquera sur la ligne de crête de Messine à Passchendaele. Il poussera en avant pour libérer les ports de Belgique et terminer la guerre avant que les Allemands ne percent le front français affaibli. La plus grande opération de creusement de tunnels de la guerre est entreprise à Messine en face des lignes allemandes. Les mineurs du pays de Galles, le pays de Lloyd George, viennent renforcer les sapeurs du génie pour réussir la plus énorme opération de sape de toute la guerre. En secret, ils percent 19 tunnels et ils mettent en place 500 tonnes d'explosifs au-dessous des positions allemandes.
Le coup d'envoi est donné à l'aube du 7 juin 1917. De Londres, le George entend l'explosion, à plus de 200 km de là. Au 10, Downing Street, à sa résidence de Premier ministre, les vitres tremblent. Allemands sont tués ou estropiés. On capture 7000 prisonniers totalement choqués. Haig demande la permission d'attaquer sur la crête de Paschendal. Lloyd George d'abord s'y refuse, et puis il s'y résigne. Il a un mauvais pressentiment. La grande offensive commence en juillet 1917 sur un champ de bataille transformé en fondrière par des torrents de pluie et des trous d'obus. Les Allemands sont enterrés. Ils disposent de canons lourds. Les assaillants s'épuisent. Une nouvelle stratégie s'annonce sur le terrain détrempé des Flandres. Un général britannique, visitant plus tard le champ de bataille, s'écrie « Bon Dieu, nous avons réellement envoyé des hommes combattre là-dedans ?» Pendant 4 mois d'automne, la bataille continue sans merci. Haig prétend qu'il a réussi à percer le front. C'est faux. Il a pris le pont de Paschendal, mais le front n'est pas percé. Et les pertes sont innombrables. Haig est un grand chirurgien, dit Churchill en grinçant des dents. Et il ajoute, sa haute capacité professionnelle l'empêche de voir l'agonie de son patient. Mille Britanniques sont tués, blessés ou disparus dans la boue. Haig a seulement gagné quelques arpents de marécage. Toutes les femmes d'Angleterre se dévouent pour les blessés et Lloyd George distribue les décorations aux survivants. Il n'a pas pu éviter la dernière offensive de Lord Haig, mais il a du moins évité à son pays martyrisé, le plus grand de tous les maux, la Révolution. On peut redouter qu'en 1917, l'Allemagne du Kaiser ne s'y précipite. L'Europe entière va-t-elle tourner au rouge ? Pour conjurer le danger révolutionnaire, le pouvoir civil en Allemagne abdique de plus en plus en face des militaires. Massif et rassurant, Hindenburg, héros national, est pour l'Allemagne l'image du père. Une volonté d'acier, mais protecteur, responsable. Il a pour adjoint le quartier-maître général Erich von Ludendorff, qui est après Hindenburg l'homme le plus puissant d'Allemagne. Les listes des héros morts ou blessés s'allongent. Notre seule fierté, a coutume de dire Ludendorff, est que nous combattons face à des forces très supérieures et que nos lignes sont en dehors de notre territoire sacré. C'est un faible réconfort pour une nation qui gratte les fonds de cave pour se chauffer l'hiver et qui est au bord de la famine.
les Allemands sortent tous les jours pour voir afficher sur les portes des mairies les listes des morts, des disparus, des prisonniers. Tout est rationné en Allemagne. Le recrutement enlève les mineurs et les fermiers. La production chute. Le blocus allié réduit les importations, étrangle le commerce maritime. Dans l'industrie, on manque à la fois de main-d'œuvre et de matières premières. On fait la queue dans les magasins pour obtenir des denrées alimentaires qui bien souvent n'existent plus ou qui sont des ersatz. Les Allemands appellent ce temps l'hiver aux choux. Des millions d'hommes et de femmes mangent des choux. Une ménagère allemande se souvient de s'être gelée, le ventre creux, dans un foyer sans électricité. Le pétrole et l'huile manquent, et même la graisse, pour les bougies. La détresse est supportée par patriotisme, mais les artistes ne se gênent pas pour illustrer aigrement la réalité. Kate Kollwitz, par exemple, dont le plus jeune fils est mort au front. Le dessinateur Georges Grèce, soldat réformé pour dépression nerveuse, croque l'arrière du front sans aucune complaisance. Ses dessins sont tout à fait dans l'esprit des observations amères du propre fils du Kaiser, le Kronprince. « J'ai vu, dit-il, un changement immense et menaçant dans les rues de Berlin. Les gens des classes moyennes ont perdu leur air satisfait. » Ils traînent dans les rues, le teint pâle, les yeux creux, dans des vêtements élimés. À leur côté piaffent des profiteurs qui les bousculent pour prendre toute la place. Les propagandes officielles glorifient les as de l'aviation, les capitaines des sous-marins, les généraux du front. Otto Dix représente les soldats comme des victimes. Dans la guerre telle qu'il l'a peint, il n'y a pas de place pour la gloire. Par édit du quartier général, tout ce qu'il y a de meilleur sur le marché doit être réquisitionné pour l'armée. Ludendorff demande au front intérieur de supporter la misère, de faire des sacrifices. Les besoins de l'armée priment. Les citoyens mangent du pain noir, mais ils doivent envoyer des colis aux armées. L'armée a priorité absolue. Ainsi est évitée la révolution dans les lignes. Dans les zones occupées de France, de Belgique et de Pologne, des unités de l'armée sont affectées au travail, dans les fermes, pour être sûr que les récoltes seront saisies à la source. Les Allemands de l'intérieur ne recevront rien de tout cela. Le travail forcé fournit de la main-d'œuvre des régions occupées, ainsi que les camps de prisonniers de guerre. Mais ces travailleurs supplémentaires sont autant de bouches à nourrir, une charge de plus pour l'économie titubante.
et cependant la main-d'œuvre étrangère est essentielle dans les fermes, dans les usines, et pour entretenir les voies de communication avec le front. Un prisonnier évadé raconte que grâce au colis de la Croix-Rouge, qu'il recevait régulièrement, il mangeait mieux que ses gardiens. On récolte à domicile les objets en métal pour nourrir la production de guerre. On utilise la ferraille, les batteries de cuisine. Mais les gens donnent aussi leurs anneaux d'or et leurs bijoux, les biens comme les vies. La guerre arrachait-on la dernière laine sur le dos d'un peuple déjà habitué aux plus terribles privations. Les industries allemandes, si puissantes, grésillent sous l'effet d'une tension excessive. Les matériels s'épuisent, la puissance se perd. Les ingénieurs sont au front, traçant les plans de guerre. L'Allemagne, jadis si dynamique, s'exténue dans la grisaille d'un crépuscule de guerre. Le Reichstag exprime le mécontentement général. Au nom du Kaiser, une tentative de paix est amorcée du côté des Alliés par le chancelier de Bethmann-Hollweg. Saisi de pitié devant une misère indicible, n'est-il pas possible de trouver une base d'entente, dit-il. Mais les Alliés ne sont nullement prêts à négocier avec une Allemagne qui ne croit qu'à la force. Le chancelier est-il prêt à discuter sur l'Alsace et la Lorraine ? Demandent les Français. Le parti de la paix, une fois mis en échec, Ludendorff et Hindenburg s'emparent du contrôle du gouvernement. La politique intérieure explique que le quartier-maître général doit être dirigé par ceux qui sont responsables des plans militaires. Les généraux persuadent le Kaiser de leur accorder les pouvoirs qu'ils veulent. Le 1er février 1917, ils obtiennent de lui la liberté de reprendre la guerre sous-marine intégrale qui pousse le président Wilson à entrer dans le conflit. Les Allemands croyaient pouvoir étrangler tranquillement la Grande-Bretagne sans que les États-Unis bougent. C'était la conviction du secrétaire d'État allemand aux affaires étrangères, Arthur Zimmermann. L'Amérique ne fera rien, dit-il, parce que Wilson est pour la paix et rien d'autre. En février, les sous-marins avaient coulé 800 000 tonnes de navires. Seul un navire sur quatre quittant l'Angleterre revenait au port. L'ambassadeur américain à Berlin était rappelé. L'entrée en guerre des États-Unis sauvait la Grande-Bretagne. Mais le choix de la guerre totale par l'Allemagne sauvait aussi ce pays de la Révolution en accordant les pleins pouvoirs à l'état-major. Elle poussait l'aventure jusqu'au bout.